Merci à tous d'être présents à cette deuxième session de nos web conférences budgétaires pour 2022. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a largement parlé du contexte d'incertitude dans lequel nous menons ces travaux d'élaboration de nos EPRD et de nos PGFP pour 2022. Et cette incertitude, elle n'est pas juste macroéconomique, ce n'est pas juste les prix de l'énergie, les taux d'intérêt. L'incertitude, elle est aussi méthodologique, parce qu'on peut difficilement s'appuyer sur la réalisation de l'année 2020, de l'année 2021 pour construire nos budgets. Le dialogue de gestion en interne avec les pôles a été suspendu ou s'est distendu ou s'est beaucoup concentré sur la gestion de la crise du Covid. La comptabilité analytique, elle n'a pas forcément été maintenu avec le niveau de détail habituel. Et puis le fait que le Ségur soit passé par là avec des impacts massifs sur la masse salariale, mais aussi des changements d'organisation interne. On pense à la fermeture des chambres à deux lits, par exemple, de nouvelles pratiques, les téléconsultations. Tout ça rend aussi impraticable l'appui sur les référentiels d'avant la crise de 2018-2019. On a publié, enfin, à l'ANAP, on a publié plusieurs guides dont l'objectif est d'aider les établissements à pallier ces incertitudes. Et l'un des éléments auxquels on croit, c'est l'importance de documenter les hypothèses de construction budgétaire. Un, parce que ça facilite le travail de réajustement en infra-annuel quand on se rend compte que le réalisé diverge de la prévision. Et du coup, on peut plus facilement identifier quelles sont les hypothèses à recaler. Documenter les prévisions, c'est aussi un facteur de dialogue interne au sein de la communauté. On peut partager des éléments factuels. Documenter, c'est aussi réinterroger nos pratiques internes en termes de contrôle de gestion. On sait gérer du projet hein, à l'hôpital, c'est notre vie quotidienne, mais on s'est rendu compte que les modalités de chiffrage entre établissements et au sein des établissements demeurait assez hétérogène. Et donc, on a voulu faire un vade-mecum sur quelles sont les bonnes questions à poser à un porteur de projet, les points méthodologiques qui nous semblaient clés dans l'élaboration d'un projet, l'estimation de leurs impacts et évidemment, derrière, comment est-ce qu'on les intègre dans nos prévisions budgétaires. Donc, on a publié à la fois le guide sur construire mon PGFP, donc de prospective financière, et puis on a complété avec des fiches de calcul d'impact pour renforcer les argumentaires d'un projet, faciliter l'arbitrage des décideurs. Et donc, ce sont ces fiches dont on souhaite discuter avec vous cet après-midi, avec deux exemples très pratiques. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec l'équipe du Centre Hospitalier Ouest Réunion, que je remercie d'être là, et avec Pauline. Bonjour, désolée pour les petits soucis techniques, les aléas du direct. Alors effectivement, nous avons sollicité le CH Ouest Réunion pour nous partager une étude de cas d'ouverture de deux salles de bloc opératoire supplémentaires. Alors, je vais lancer le support qui va bien.
Alors, pour nous parler de ce premier cas, nous accueillons donc Frédéric Lagarde et Didier Potier. Donc, Frédéric Lagarde, vous êtes responsable du contrôle de gestion au CH Ouest Réunion. Vous avez travaillé notamment avant comme responsable du contrôle de gestion en CLCC et en CHU. Didier Potier, vous avez une expérience dans la grande distribution et vous avez mis à profit cette expérience au sein du CH Ouest Réunion pour les accompagner dans la gestion de projet. Votre projet a consisté à ouvrir deux salles de bloc supplémentaires. L'établissement a été reconstruit il y a peu de temps et l'ouverture ne s'est pas faite immédiatement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Frédéric? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous parler de l'expérience du centre hospitalier de l'Ouest de la Réunion, qui est un centre hospitalier de taille moyenne, qui a été entièrement reconstruit dans des nouveaux locaux en 2019. Il avait un site historique qui était au centre-ville, dans des vieux bâtiments, dans lequel il y avait donc trois salles de bloc opératoire et une salle de césarienne d'urgence. Et en construisant ce nouvel hôpital flambant neuf, il a été décidé de construire un bloc de six salles, plus toujours une salle de césarienne et d'urgence. À l'ouverture en 2019, le choix a été fait de ne pas ouvrir tout de suite les six salles de bloc, puisque le gap entre trois et six était quand même relativement important et qu'on ne savait pas si ensuite ça allait suivre au niveau des capacités d'hospice en chirurgie. Donc on a ouvert d'abord les quatre salles en 8 heures, puis en 2020 on est monté à 10 heures de salle, d'ouverture de salle. Et en 2022, le choix a été fait d'ouvrir les six salles de bloc, donc d'ouvrir ce bloc opératoire dans sa capacité pleine. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'état des lieux avant l'ouverture de ces salles et quels étaient les indicateurs que vous avez utilisés, notamment pour estimer que c'était le bon moment pour se lancer? Alors, ce qu'on se rendait, enfin, assez rapidement, on a eu un bloc opératoire avec des taux d'occupation qui étaient assez importants, donc entre 85 et 90 %. Un bloc opératoire qui était très mobilisé par une activité d'urgence, donc une activité non programmée, notamment des accidents chir-ortho-traumato suite aux randonnées qu'on peut faire dans les cirques de la Réunion. Donc, et on n'avait pas de vacations dédiées à l'activité d'urgence, pas de salle dédiée à cette activité-là. Donc, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il a fallu identifier une salle pour l'activité d'urgence. Et en termes de ressources anesthésie, qui dit une salle, dit deux salles, pour pouvoir équilibrer économiquement le projet. Le bloc opératoire, donc, à peu près, j'ai mis 5 000 interventions par an pour 4 salles actuellement. Donc là, on espère effectivement, avec 6 salles, faire quasiment 2 000 interventions, enfin 2 500 interventions de plus. Justement, comment vous avez estimé le potentiel d'intervention par discipline et comment les vacations ont-elles été allouées par discipline? Alors, au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les gens, enfin, on a beaucoup regardé ce qui se passait en activité de consultation, pour savoir où est-ce que l'activité de consultation était saturée, où est-ce qu'il y avait des délais d'attente. Et on a supposé que là où c'était saturé, où les activités de consultation avaient des vacations de consultation avaient des taux d'activité élevés, on a supposé qu'il y avait une demande et que c'est là qu'il fallait augmenter les vacations de bloc opératoire. Idem pour l'activité d'urgence, on savait qu'on avait un gros besoin en chir orthopédique et traumato, donc on s'est dit il faut augmenter les vacations. Ensuite, ça a été un dialogue de terrain entre le cadre sup, donc le cadre de pôle, et les chirurgiens pour déterminer, en fait, pour mettre en place un nouveau planning de bloc opératoire qui soit le plus équitable possible et pour répondre aussi à l'offre de soins du territoire qui est la Réunion quand même sous-dotée en termes d'équipements chirurgicaux de pointe. Alors, une des particularités, c'est que l'activité qui allait être en plus était une activité particulièrement centrée sur l'ambulatoire avec un impact sur le PMCT moyen. Alors oui, parce que donc on s'est rendu compte qu'on avait les 10 lits en amont du bloc opératoire, les lits d'hospice complètes de chirurgie qui avaient un taux d'occupation de l'ordre de 95 %. Donc si on ouvrait deux salles de bloc en plus, on n'allait pas pouvoir les mettre en hospice complète. Donc par contre, on avait une capacité d'augmenter le plateau ambulatoire de 7 à 14 lits. Donc, on a décidé avec les chirurgiens de donner un coup de boost à l'ambulatoire et d'essayer en fait de faire 90 % de cette hausse d'activité sur de l'ambulatoire et de monter donc à un taux de chirambu de 65 %, alors qu'il était que de 50 % actuellement. Ce qui veut dire aussi qu'il y a eu un travail de réalisé sur les parcours de soins pour notamment prendre en charge des patients aux urgences en ambulatoire.
Donc là, il y a tout des thésaurus qui ont été faits avec les chirurgiens pour essayer donc de développer l'ambulatoire. Merci pour cet état des lieux concernant l'évaluation du potentiel d'activité et quid des besoins en personnel. Donc les besoins en personnel ont été assez vite faits par le cadre de bloc et le chef de pôle qui savaient très bien les ressources qu'il fallait mettre en face de l'ouverture de deux salles de bloc, donc en termes d'IBO, en termes d'IAD. Après, on s'est surtout attardé à ce qui a été le plus long finalement, c'était l'impact de cette activité sur les services dits de support aux soins, donc aussi bien sur la radiologie, sur la pharmacie, sur la stérilisation, les brancardiers. Et les plateaux donc de consultation et d'ambulatoire. Autant le bloc anesthésie, c'est assez vite, enfin, on peut assez vite se rendre compte du temps qu'il faut en termes soignants. Sur les services supports, ça a été plus compliqué. Donc là, c'est pareil. C'est les cadres de pôle qui ont été fortement mobilisés avec les cadres de santé pour établir les recrutements. Ensuite, on les a chiffrés et on arrivait à une quarantaine de TP pour ce projet. Alors, on a eu le versant activité, le versant personnel. Qu'est-ce que ça donne en termes d'études médico-éco et de résultats, de participation aux résultats de l'établissement? Donc, de chiffrer les charges de personnel, ben, c'était pas, enfin, c'est assez simple. Ensuite, on a essayé de déterminer l'impact sur les consommables du bloc opératoire et de l'anesthésie. Donc là, j'ai calculé cet impact à partir d'une heure d'occupation de salle, parce que même si on fait de l'ambu, mais en termes d'activité au bloc opératoire, on restait sur un case mix qui était sensiblement le même. Donc, j'ai chiffré cet impact sur tout ce qui est médicaments, petit matériel médico-chirurgical stérile ou non stérile, à l'actuel que j'avais actuellement pour une heure d'occupation de salle, et je l'ai projeté pour un volume d'occupation de salle donc supérieur. En termes d'investissement, là, ça a été beaucoup pareil, ça a été assez rapide, puisqu'on avait déjà équipé le bloc opératoire en termes de table de bloc opératoire ou de ciel lithique. Donc là, il fallait essentiellement équiper les salles d'instrumentation, donc de boîtes de chirurgie, et c'est ça que le MIB, l'ingénieur biomédical, m'a fourni. Ensuite, on avait quand même la volonté d'investir un peu dans un logiciel de planification des places de chirurgie ambulatoire afin d'avoir un taux de rotation satisfaisant pour accueillir tous ces patients qui allaient sortir du bloc opératoire. Oui, donc pour recouper avec ce que vous disiez, c'est que les 289 000 euros donc, sont limités à l'instrumentation et ne comprennent pas bien sûr les coûts de construction et d'équipement, de gros équipements lourds des salles. Oui, c'est ça. Alors, en termes de dépenses, on a fait le tour. En termes de recettes d'activité, il s'agit de multiplier le nombre d'interventions fois les GHM estimés, des GHM d'ambulatoire donc plutôt. Oui, je n'ai pas été chercher très loin, effectivement. J'ai simplement fait une valorisation 100% T2A avec donc des interventions multipliées par la recette attendue du séjour. En tenant compte du Exactement. fait que vous aviez le détail par discipline, comme vous nous l'avez expliqué auparavant. Et du coup, en termes de résultat final, entre les recettes et les Ben, dépenses. On espère que l'opération sera positive et donc il y aura un impact positif sur le résultat d'exploitation. Pour l'instant, donc on va le mesurer au fil de l'eau. Pour l'instant, c'est encore en cours de démarrage. Donc on n'a pas encore mesuré au final. Mais on espère effectivement dégager un petit peu de résultats sur cette opération. Donc, l'ensemble de ces échanges que vous avez pu avoir avec les porteurs de projet, donc les chirurgiens concernés, le cadre de bloc, le DIM et les différentes directions ont permis d'aboutir au chiffrage. Maintenant, c'était un projet qui était particulièrement lourd en termes d'organisation et du coup, vous avez décidé de vous appuyer sur une démarche projet qui était en plein déploiement au CH Ouest Réunion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Frédéric et Didier? Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous avons mis à disposition différents outils pour aider le contrôle de gestion tout au long de ce projet. Tout d'abord, un logiciel de gestion de projet qui en existe beaucoup sur le marché. Celui-là nous permet un suivi des tâches. Bon, c'est une fonctionnalité standard avec des responsabilités, des dates d'échéance, le relance sur les retards. Mais également, ce logiciel nous permet, est un journal de projet avec un. Il intègre un aspect communication, donc il remplace les différents mails. Donc, tous les échanges qui sont opérés sur ce projet sont faits sur cet outil.
Donc, on garde une traçabilité des échanges et il permet également une gestion électronique des documents. Tous les documents sont référencés sur ce logiciel. Donc, nous avons pas de problème de versionning. Ce qui est les versions des documents sont toujours à jour sur ce logiciel. Ensuite, nous avons mis en place. Oui, excusez-moi. Oui, vous voulez peut-être l'illustrer directement par le document qu'on a juste après pour nos participants. Tout à fait. Donc là, c'est un document de suivi. Ce n'est pas le logiciel, c'est un document de suivi. Vous pouvez revenir simplement peut-être au stade d'avant, avant. Bien sûr. Hop. Donc nous avons utilisé une méthodologie qui s'appelle PRINCE 2. C'est une méthodologie de projet, comme il peut y en avoir, comme la méthode agile qui est connue. Donc cette méthodologie, un des principes de cette méthodologie, c'est une justification commerciale permanente du projet, donc avec un document qui reprend les motifs du projet, les bénéfices, contre-bénéfices du projet, la période d'exécution, le coût, l'évaluation d'investissement. Et c'est un document qui est mis à jour régulièrement. Donc, il sert à vérifier toujours la viabilité du projet tout au long de son déploiement. Comme autre document, nous avons une fiche de suivi que vous avez montré tout à l'heure, on va revenir un petit peu en détail, qui est envoyée, qui est mis à jour régulièrement, qui est envoyée à l'ensemble du directoire de manière mensuelle, qui reprend différents éléments. Donc on peut y aller, si vous le pouvez, sur le document d'après. Donc voilà, c'est un document qui vit tout au long du projet avec les différentes phases. Donc on reprend les indicateurs de suivi. Donc ce que l'on fait désormais, c'est que dès le départ du projet, nous avons un document où nous indiquons quels seront les indicateurs de suivi du projet au cours de son déploiement et à son déploiement. Le travail accompli depuis la dernière mise à jour, les prochaines étapes, les difficultés rencontrées. Donc là, en termes de contrôle de gestion, on mentionne les difficultés qui peuvent être rencontrées directement donc pour le directoire. Donc il y a vraiment une visibilité qui est apportée au projet et on peut tout de suite apporter une correction lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pour les documents du projet. Je laisse la parole à Frédéric qui fera un petit récapitulatif. Oui, en fait, donc sur le principe du projet, c'était assez standard ce calcul donc de contribution au résultat d'exploitation. Ce qui était pour nous un peu plus atypique, c'était la méthode qu'on a utilisée, donc à travers cette méthode projet et l'outil projet. Et donc, pardon, on est aussi dans un hôpital psychiatrique et il y a quelques soucis. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça a été une démarche qui a été très facilitante et formatrice puisque ça permet de structurer le projet et pour moi de bien suivre l'avancée du projet, de partager une information commune avec tous les acteurs du projet. Et ça, ce n'est pas toujours évident quand on est au contrôle de gestion parce qu'il y a souvent différentes versions de documents qui sont à droite, à gauche. Et puis après, on nous dit, ah ben non, ce n'est pas la bonne hypothèse qui avait été prise, ah ben non, ce n'est pas ça que j'ai retenu. Et donc là, ça permettait effectivement d'avoir tout de visualiser dans un même outil. Nous, en tant que contrôleur de gestion, on est très à l'aise dans cette méthode-là, puisqu'on a une transversalité au niveau de nos interlocuteurs, au niveau de notre vision, et on peut la retrouver dans la méthode projet où il faut à chaque fois donc réfléchir, se poser des questions, mettre à jour les documents. Et donc ça, je trouve que le contrôleur de gestion, pour moi, ça a été je me sentais vraiment très utile. Et ça permet aussi assez facilement de faire le lien d'un point de vue financier avec mon DAF sur effectivement le PGFP, puisque toutes les données financières, toutes les données de recrutement, toutes les données d'activité étaient centralisées entre tous les acteurs du projet. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et juste peut-être une dernière information, c'est que ce projet, justement, il était progressif. L'ouverture des deux salles ne va pas se faire en même temps, notamment pour des questions de personnel. Et du coup, ça permet aussi de suivre la bonne avancée des différentes actions, si j'ai bien compris. Exactement. Bon. Merci à vous, Frédéric et Didier. Est-ce que côté chat, côté questions-réponses, Elisabeth, tu as des interrogations de la part de nos Oui, c'est ça. participants? Oui. Oui. Est-ce qu'on est? Vous m'entendez? Tout à fait. Oui, bonjour à tous. Alors, une question qui est posée dans le chat. Comment planifier à l'avance les chirurgies en urgence alors que ce type de demande est incertaine?
Oui, mais en fait, on se rend compte que notre volume d'activité des urgences, il est quand même relativement stable, ou alors la saisonnalité, on arrive à la déterminer à l'avance. Et en gros, l'activité d'urgence a été assez facilement. Les chirurgiens avaient une très bonne vision de ce qu'ils recevaient en urgence, de ce qu'ils pouvaient mettre, pas faire. Ils connaissaient très bien leur activité, donc ça ne nous a pas du tout posé souci de planifier ces urgences. On a un volume d'urgence qui est relativement stable depuis l'ouverture dans ce nouveau bâtiment, hors crise Covid. Et par ailleurs, vous avez parlé d'un objectif d'accroissement du taux de chirurgie ambulatoire pour passer de 50 à 65%. Sur quelle période pensez-vous atteindre cet objectif? On voulait quand même. Alors après, ça va dépendre un peu du contexte sanitaire, mais dans un monde où tout va très bien, nous, l'idée, c'était que fin 2022, on y arrive. D'accord. Une autre question que je vois apparaître dans le chat, comment sont calculées vos charges de gestion générale et logistique? Alors, de façon très simple, c'est simplement un taux de charge qu'on a pris qui est de l'ordre de 10%. Donc, on n'a pas, j'ai pas développé cet aspect-là dans l'étude parce que finalement, j'avais déjà des charges, puisque concerne le secrétariat, etc., qui étaient prises dans les charges de personnel. Et après, vraiment, pour les services de LGG purs, normalement, il n'y a pas vraiment de on ne va pas atteindre l'effet palier pour lequel on va devoir réinjecter des charges de personnel. D'accord, merci. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour les questions du chat et je redonne la parole à Pauline. Merci Elisabeth, merci Frédéric et Didier. Alors, j'en profite justement pour cette question des charges indirectes pour vous préciser que pour notre participant intéressé, on rentrera un peu plus dans le détail dans la séquence d'après. Mais avant d'arriver sur la fiche MCO, je vous propose de poursuivre sur un autre outil d'investissement, la question du ROI, qui est un sujet qui intéresse particulièrement les ingénieurs biomédicaux qui en ont parlé pendant leur journée annuelle et du coup qui fait le lien avec les préoccupations des contrôleurs de gestion. Pour ce deuxième sujet, nous accueillons Erwan Olivier, qui est professeur expert à l'EHESP, qui est notamment connu pour la méthodologie des TMCD, mais qui aujourd'hui donc, vient nous parler du ROI. Bienvenue à vous, Erwan. Bien, bonjour à tous et à toutes, et merci de l'invitation à la NAP. Alors effectivement, le retour sur investissement est aussi un sujet fortement d'actualité. Alors déjà, pourquoi faire des ROI? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a un écart croissant entre les demandes et nos capacités de financement. Donc, il y a une nécessité d'arbitrage. La deuxième chose, c'est qu'on est en concurrence sur certaines, voire beaucoup d'activités. Et donc, les équipements que l'on possède sont un critère déterminant d'attractivité de la patientèle, notamment en chirurgie, hein, on s'en doute bien avec quoi vous travaillez. Et puis, on a une nécessité d'appréhender nos projets futurs de manière globale, pas seulement sur un N plus 1, N plus 2, sur une durée à 4, 5 ans, 7 ans, 8 ans, enfin, selon l'horizon de temps qu'on s'est défini, en prenant en compte un élément qui est essentiel, c'est le risque, parce qu'au début d'un projet, tout le monde est motivé, et puis après, il va y avoir les aléas de la vie, donc il faut tenir compte du risque. Et il faut essayer de générer des scénarios pour essayer de dire s'il se passe ci, voilà comment tout va se dérouler. Donc, on a besoin d'appréhender nos projets au-delà d'études d'impact à N plus 1 dans une approche globale. Voilà. Et avant d'aller chercher le financement, qui nous prête l'argent ou comment est-ce qu'on procède au financement dans le PGFP, c'est déjà de se poser la question de la rentabilité. Voilà. Et est-ce que ce projet s'auto rentabilise d'une certaine manière? Voilà. Donc déjà, pourquoi réaliser des ROI? Parce qu'on en a besoin dans une approche globale. Alors après, les apports du ROI. Sur la diapo suivante, effectivement, on voit que l'apport du ROI, le premier apport, c'est un apport de création de richesse. C'est-à-dire que c'est d'appréhender l'hôpital autrement que seulement, entre guillemets, par des réductions de lits et des moyens en personnel en moins. Voilà. C'est une approche de création de richesse en disant j'investis pour gagner demain de l'argent et mécaniquement financer mon investissement.
L'autre point de l'apport du ROI qui est très intéressant, c'est que ça permet de stimuler l'initiative. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller voir notamment les médecins pour les encourager à apporter des projets et des projets qui se rentabilisent et qui contribuent mécaniquement à l'amélioration de la situation financière de l'établissement et à l'amélioration de la prise en charge du patient, bien évidemment. L'autre apport du ROI, c'est que ça permet dès le début de se poser des questions du dimensionnement de mon investissement. On a pu observer ça et on l'observe encore, des surinvestissements où on ne s'est peut-être pas posé toutes les questions du besoin et des capacités de financer autant de mètres carrés ou un matériel aussi coûteux, etc. Enfin, il y avait une inadéquation entre ce que je comptais faire et puis ce que je pouvais faire. L'autre élément essentiel, c'est qu'on a besoin d'objectiver et de comparer des offres. Voilà, c'est mon 3, là, arbitrer clairement entre des offres différentes. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que quand il y a une demande d'équipement nouveau, bon, bah forcément, on va faire un appel d'offres, il y a un cahier des charges, et puis les différents prestataires qui viennent se proposer, ils vous offrent des panels qui ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile de comparer l'offre de Siemens et d'Abbott sur un matériel parce que forcément, il n'a pas les mêmes coûts énergétiques, il n'a pas forcément les mêmes moyens en personnel, il n'a pas la même durée de vie, etc., etc. Et le retour sur investissement, il va permettre de comparer sur un critère commun les différentes offres et d'essayer de trouver la meilleure offre financière qui correspond à la meilleure optimisation de nos moyens. Et puis, l'autre apport du ROI, c'est qu'il va souhaiter aller jusqu'à l'engagement des bénéficiaires. C'est un élément essentiel, c'est que de dire, écoutez, on est d'accord de vous acheter ce nouvel équipement médical parce qu'effectivement, il se rentabilise et il apporte une création de richesse pour l'établissement. Donc, tout le monde est gagnant. Mais tout le monde est gagnant sous réserve qu'on fasse bien les critères d'activité. Et on va mettre derrière en œuvre ce qu'on appelle des fiches d'engagement, c'est-à-dire que tous les 6 mois, tous les ans, on regarde que sur le niveau d'activité attendu, que sur les maîtrises des effectifs attendus, que sur la maîtrise des consommables attendus, tout le monde soit au rendez-vous. Voilà. Et donc, il y a une vraie logique de continuité dans le temps, dans le suivi des projets. Voilà. Donc ça, c'est un des apports majeurs. C'est la responsabilisation aussi des acteurs à travers ces fiches d'engagement pour suivre dans le temps la mise en œuvre de ces projets. Alors, quelques conseils, si on peut apporter beaucoup de conseils en si peu de temps, mais il y a des conseils qui sont des conseils de base et de logique. On ne calcule pas un ROI quand il n'y a pas de flux futur positif. D'accord ? Ça paraît tellement évident que... Mais des fois, c'est-à-dire que sur des projets informatiques, notamment, il n'y a aucun gain espéré. D'accord, aucun gain ni en personnel, ni en activité supplémentaire, ni en rien du tout, que des chiffres non chiffrables. Donc ça, c'est compliqué. Donc mécaniquement, là, il n'y a pas de ROI, c'est juste une dépense qu'il faut faire, point. On ne calcule pas un ROI une fois que le projet est démarré, c'est trop tard. C'est avant le démarrage du premier coup de pelle ou la mise en place de l'appareil. Hein. C'est trop tard une fois que c'est lancé, hein. C'est fini. Le ROI, ça ne s'applique pas sur des projets de reconstruction totale. Hein, si vous reconstruisez votre établissement, quelle que soit sa taille, faire un ROI, c'est extrêmement compliqué. Il y a trop de choses à faire. Donc, ça fonctionne bien sur des équipements de matériel. Ça fonctionne bien sur des mètres carrés en plus, effectivement, une extension, une aile, etc. Là, ça fonctionne bien. Sur des reconstructions totales établissements, c'est le PGFP qui vous aidera, quoi, hein. Ce n'est pas le ROI qui permet de le faire, c'est trop macro. Hein. Sur des horizons de temps, en plus, qui sont beaucoup trop longs, puisque vous allez faire ça sur 20 ans, 25 ans, voire 30 ans. Donc, ça n'a plus trop de sens de calculer un ROI sur 30 ans. Et puis, avec des durées excessives. Hein. Donc là, cette fois-ci, en dehors du projet immobilier, on ne calcule pas un ROI pour un équipement médical sur 10 ans. C'est trop long. Hein. Le gain, il doit être fait entre 5 et 6 ans. Donc, le ROI, il ne se fait pas. Parce que, bien évidemment, plus on allonge la durée, plus mécaniquement, ça génère des cash flows et plus mécaniquement, ça contribue à l'investissement. Mais il ne faut pas oublier que le matériel, on aura peut-être eu le temps de le changer 3 fois entre-temps. Donc, ça n'a plus de sens. Bon. Le critère essentiel du ROI, au-delà de la technique, c'est bien évidemment la fixation du taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est juste de dire que 1 euro
demain n'a pas la même valeur qu'un euro aujourd'hui. Et mécaniquement, un euro demain doit être ramené à la valeur d'aujourd'hui. Il y a la capitalisation qui permet de savoir demain combien mes 100 euros vaudront. Et l'actualisation, c'est l'inverse, c'est combien les 100 euros de demain valent aujourd'hui. Voilà. Et mécaniquement, plus ce taux d'actualisation est élevé, plus ça pénalise l'argent futur. Si vous actualisez de l'argent futur à 2% ou si vous l'actualisez à 12%, mécaniquement, un euro n'a plus du tout la même valeur et mécaniquement, les projets sont forcément impactés par ces choix-là. Autre conseil, on ne cherche pas le financement avant la rentabilité. Le premier truc d'un ROI, c'est de voir s'il est rentable et après, on cherche le financement, pas l'inverse. Donc, dans un ROI, il n'y a pas la question de se dire est-ce que je fais ça en crédit bail, est-ce que je fais ça par emprunt, etc. Voilà, faut le faire de manière brute et après, on cherche le financement. Autre élément essentiel, c'est au contrôle de gestion de réaliser le ROI. C'est quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec le bénéfice direct du projet. Ça ne peut pas être le pilote du projet qui calcule le ROI, ça ne peut pas marcher. Et puis, avoir un truc de bon sens, c'est que ce n'est qu'une approche financière du projet. Ce n'est qu'une approche financière du projet. On va prendre dans un ROI comme ça, techniquement calculé, que des choses qui sont quantifiables. Il n'y a pas l'image de marque, il n'y a pas le caractère obligatoire, il n'y a pas le fait que peut-être potentiellement l'activité va décoller dans X temps, etc. etc., etc. Des faits que je me positionne sur un marché qui est pour l'instant très faible, mais qui demain va décoller. Il n'y a pas tout ça, effectivement. Et donc, il faut mettre aussi le ROI dans le calcul de la vanne trip et back. Est-ce que ça vaut financièrement en termes de calcul mathématique. Je l'expliquais ça ce matin à des élèves directeurs. Je leur disais finalement, demain, c'est un gros point d'interrogation. Et le ROI, c'est de réduire le point d'interrogation. Mais ça reste un point d'interrogation, mais c'est juste qu'il est plus petit. Voilà. Mais ça reste un point d'interrogation. À nous de réussir à le faire. Mais ça, on n'est pas devin. Merci beaucoup, Erwan, pour votre intervention très claire. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les ROI se calculent en tout début en phase amont d'un projet, que c'est sur un périmètre limité, bien ciblé, qu'il faut faire attention à la durée, au taux d'actualisation et que ce n'est qu'un élément parmi d'autres qui sont à prendre en compte. Tout à fait. Merci à vous, Elisabeth. Est-ce qu'on a des interrogations à poser à Erwan, Olivier, de la part de nos participants ? Alors, effectivement, on a une question assez complète. Est-ce que le ROI peut s'appliquer à des projets de collaboration pour le développement de DM et d'innovation numérique ? Et cette question vaut également pour l'innovation organisationnelle sur les parcours de soins. Alors, oui, effectivement, c'est une question légitime et fortement d'actualité. Alors, oui, le ROI s'applique dans ces projets-là, si tant est que les flux soient quantifiables. C'est tellement évident que, mais il faut le redire, hein, c'est-à-dire que si derrière, c'est des hypothèses où pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'écrit, effectivement, sur financement de ci, de ça, finalement, nous, au contrôle de gestion, il faut qu'on remplisse les cases. Et si on n'a pas les chiffres pour remplir les cases, on n'y arrivera pas. Alors oui, ça s'applique, si tant est qu'on ait des cash flows positifs. Et alors moi, j'ai une question. Vous avez bien insisté sur le choix de la durée, le choix du taux d'actualisation, le niveau de risque que l'on associe au type d'investissement. En fonction de tout cela, aujourd'hui, si l'on devait calculer un ROI sur un investissement, quel taux d'actualisation recommanderiez-vous de prendre ? Alors effectivement, c'est toujours le grand sujet qu'à chaque fois qu'on présente le ROI et ce fameux taux d'actualisation, c'est à combien le fixer. Alors à combien le fixer, vous pouvez éplucher toute la littérature financière et économique, vous verrez que c'est un grand sujet pour tous les financiers. L'autre fois, je tombais sur un forum des financiers qui disaient comment fixer le taux d'actualisation, donc c'est un sujet qu'on n'a jamais résolu. Le taux d'actualisation, c'est le taux sans risque plus une prime de risque, tout simplement. Alors tout simplement, mais pas si tout simplement que ça, ce taux d'actualisation, il se fixe en fonction de trois choses. Est-ce qu'on est sur et en fonction du type d'investissement qu'on réalise. Est-ce que c'est un investissement de modernisation? Je veux faire la même chose, mais en gagnant en productivité. Vous voyez qu'il n'y a pas un grand risque derrière puisque c'est faire la même chose et globalement, c'est un peu se réorganiser. Après, il y a l'investissement d'expansion. Je veux faire plus. D'accord, je veux faire plus que ce que je fais déjà. Donc, typiquement, ce que expliquait la réunion, c'est un investissement d'expansion. Il veut faire plus. Il a déjà le savoir-faire des blocs, mais il veut en faire plus.
D'accord? Donc, mécaniquement, le risque est plus élevé parce que forcément, il y a des concurrents en face qui vont se laisser faire ou pas faire. Et puis après, il y a le dernier investissement, c'est l'investissement de stratégie. Je me lance carrément dans un projet que je ne faisais pas avant. Je me lance à créer une HAD. D'accord ? C'est quelque chose que mon hôpital ne faisait pas et j'ai eu l'autorisation et je me lance dedans. Vous voyez bien que quand je décris ces trois investissements-là, ce qui va, c'est qu'on va peut-être réussir à le faire, bien évidemment, mais ce qui va de pair, c'est le risque qu'il y a derrière que ça ne se produise pas. Et donc, ce qu'on conseille, c'est que pour des investissements de modernisation, on fait des ROI entre 2 et 4%. Voilà, on déprécie l'argent futur, on l'actualise à entre 2 et 4. Pour des investissements d'expansion où je veux faire plus, le risque est plus élevé, donc on va faire entre 5 et 8. Et pour des investissements dits de stratégie, on sera entre 8 et 12. Voilà. Voilà à peu près les pratiques que l'on a couramment dans les entreprises pour les projets futurs. Sachant que la plupart du temps, le taux d'actualisation des entreprises est lié non pas à des critères purement techniques, il est souvent lié aux coutumes de l'entreprise sur des barèmes un petit peu comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de taux sans risque. Le taux des OAT à 10 ans ou même à 5 ans, il est négatif. Donc, il n'y a plus de taux sans risque. Il ne reste plus qu'une prime de risque à ajouter. Je m'excuse. Très bien, je vous remercie. Je vais redonner la parole à Pauline pour passer à la séquence suivante. Merci Erwan, merci Elisabeth. Nous attendons donc la troisième et dernière séquence de ce jour. Alors à présent, nous allons passer sur un projet qui va avoir un impact sur les lits d'hospitalisation MCO d'un établissement. Pour ce faire, nous accueillons David Cuey, qui est responsable finance et contrôle de gestion du CHI Marmont-Tonin, et Margot Alain, responsable projet à la NAP. Margot, vous avez proposé de nous soumettre un cas d'établissement fictif qui aura un projet d'unité périopératoire gériatrique pour dérouler une méthodologie de gestion de projet et de chiffrage d'un projet ayant un impact sur l'investissement des lits MCO. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour à tous. Avant de présenter déjà les éléments d'entrée, donc ce projet UPOG dont on vient de parler, je vais vous parler un petit peu du contexte de l'établissement. Pauline, la slide suivante, merci. C'est un centre hospitalier fictif. Hein. C'est un établissement qui se situe sur un territoire qui est concurrentiel. Il y a plusieurs offreurs de soins. Vous la voyez sur la partie gauche de l'écran. Il y a trois cliniques et un CHU qui répondent aux besoins de santé du territoire. C'est un établissement qui est composé de 450 lits et places MCO et de 30 lits de SSR. C'est une activité qui est dynamique dans cet établissement, aussi bien en hospitalisation complète qu'en hospitalisation partielle ou sur les séances. Et si on regarde sur le bas de la slide, vous avez les informations financières. Donc là, on pourrait qualifier la situation financière de saine pour cet établissement. On a un résultat net comptable qui présente un excédent. On a une marge brute qui s'améliore d'année en année. Elle est actuellement aux alentours de 6%. Et ce niveau de marge brute permet à cet établissement de couvrir le service de sa dette, de aussi payer ses investissements courants et ainsi maintenir sa capacité de production. Et si on regarde sa CAF, on voit que la CAF suit le même trend que la marge brute. Voilà. Donc on peut dire que c'est un établissement qui a les moyens de porter des projets, et donc justement, ils ont un projet, Pauline, si tu veux mettre la statue, un des projets que se portait cet établissement, donc est vraiment basé sur la volonté de renforcer sa filière gériatrique, notamment via la mise en place d'une UPOG, donc c'est une unité périopératoire gériatrique. Et donc, sur cette slide, vous avez les informations que nous avons. Donc, ce sont actuellement des patients gériatriques qui sont déjà pris en charge par l'établissement. Donc, ce ne sont pas des nouveaux patients. Ils sont actuellement couchés dans les lits de chirurgie orthopédie. Orthopédique, c'est une unité qui est composée de 25 lits. Les patients viennent majoritairement des urgences. Et c'est l'unité mobile de gériatrie qui prend en charge ces patients couchés dans les lits de chirurgie ortho. Et actuellement, elle arrive à saturation au niveau de sa capacité. Elle ne peut pas prendre en charge plus de patients, alors même qu'on sait qu'il y a des transferts depuis les urgences, notamment vers les cliniques, pour prendre en charge ces patients qui ne peuvent plus l'être au sein de l'établissement. Donc, la situation initiale que nous avons, ce sont l'équivalent de 6 lits dans l'aile de chirurgie orthopédique. Ça représente 208 séjours. Et donc là, on est sur des patients donc orthogériatriques, donc de plus de 75 ans. La première étape de ce projet, c'est de rester à isoactivité. Donc, on serait toujours sur 6 lits.
mais le changement, ça serait le recrutement d'un gériatre pour soulager l'équipe mobile de gériatrie. Ce recrutement de gériatre permettrait donc une meilleure prise en charge gériatrique qu'on pourrait retrouver, valoriser au niveau du codage des diagnostics associés, et ce qui va permettre une meilleure exhaustivité qualitative des comptes rendus d'hospitalisation. Et en bout de chaîne, vous me voyez venir, c'est la phrase en rouge au milieu en bas, une augmentation du RNCT, donc du revenu par séjour, de plus de 1 000 euros. Et donc, on passerait de séjour de niveau de sévérité 2 à des séjours de sévérité 3. Et ensuite, dans un autre temps, en parallèle de ça, il y a un grand projet d'investissement pour l'hôpital. Vous avez vu qu'ils avaient une situation financière saine, donc ils vont pouvoir investir au niveau de, dans les locaux existants et les refaire. Et là, il y a l'idée de déménager les lits de chirurgie qui sont en chirurgie ortho, de les mettre à la suite du cours séjour gériatrique, que cette fois-ci, on ait vraiment une vraie UPOC et avec une augmentation du capacitaire, on serait plus sur 6 lits, mais sur 4 lits. Au total, ça serait 350 séjours. Il y aurait un jeu de bascule entre les 6 lits qui étaient initialement prévus, qui étaient initialement occupés en chirurgie ortho, vers l'UPOG. On fermerait en parallèle aussi 4 lits de chirurgie ortho. Ça serait de la bascule en ambulatoire et la mise en place de la RAC. Donc, on voit bien que d'un côté, on récupère 10 lits qui étaient en chirurgie ortho, on en ouvre 10 en UPOG, ce qui permet en fait de faire suivre le personnel non médical de la partie chirurgie ortho sur la partie UPOG. Voilà pour les informations qu'on a en entrée pour ce projet. Alors, j'imagine que ce projet qui serait soumis par un porteur de projet médical vous a interpellé, Margot, sur ces données d'entrée. Quelles questions vous avez souhaité poser au porteur de projet pour affiner justement le sujet? Qu'est-ce qui interpelle dans cette présentation? Peut-être la première chose, c'est le fait d'asseoir un recrutement de gériatres sur uniquement de la masse du revenu du RMCT qui augmente. Donc on passe de niveau de sévérité 2 à 3. Donc, la première question que je me pose, c'est comment ça a été calculé? Est-ce que c'est bien validé par le DIN, etc.? Après, il y a aussi une augmentation de capacitaire. Donc, on se dit qu'on a de l'activité en plus. Là, c'est pour les 4 lits. Là, naturellement, un petit peu moins inquiète, puisque apparemment, il y a des transferts au niveau des urgences, donc ces patients sont réorientés ailleurs. Donc, on peut supposer quand même qu'on a la file active pour occuper ces lits. Ensuite, vous le verrez dans le compte de résultats derrière, mais il y a la volonté d'asseoir une présence AS en plus le matin pour prendre en charge les patients gériatriques dans ces lits du POG. Et donc, la question qu'on se pose, c'est voilà, est-ce que le projet est déjà mature? Est-ce que ces points importants comme la dotation personnelle a déjà été vu avec la direction des soins, validée d'un point de vue TPER par la DRH? Voilà, c'est des questions qu'on se pose, aussi bien le RMCT, est-ce que c'est vu par le DIN, etc. Voilà les questions qu'on valide avant d'entamer le chiffrage. Alors justement, venons-en au chiffrage. Margot, vous avez souhaité échanger avec David QA sur la méthodologie qui pourrait être utilisée pour chiffrer pas à pas le projet. David, la parole est à vous pour nous expliquer comment vous vous y prendriez pour chiffrer ce projet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors en fait, l'objectif étant de mesurer quelque part l'incidence de ce nouveau projet sur le PRD, nous avons fait le choix de réaliser cette étude selon la méthodologie du coût marginal et non en coût complet. En fait, l'idée ici, c'est de mesurer le coût supplémentaire pour produire un volume d'activité donnée. Dans la présentation qui va suivre, on va mettre aussi en évidence les recettes et les dépenses en termes de volume, donc TP, séjour, afin d'étayer la traduction financière de ce projet. Donc, si on commence par les recettes, donc ici, de manière générale, on va faire une valorisation en 100% T2A. Juste une parenthèse, l'identification au niveau de la part assurance maladie patient et complémentaire santé devra être revue dans la consolidation des projets et de l'EPRD ultérieurement. Mais on peut aussi le faire dès à présent. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt par rapport à la valorisation du projet. Donc, de tous les éléments que Margot a présentés, il ressort plusieurs types de recettes.
La première, c'est l'augmentation de recettes par rapport à l'activité existante, et notamment l'optimisation du codage qui serait une bascule des séjours de sévérité 2 en sévérité 3, et on aurait donc une augmentation du RMCT de 1 000 euros par séjour. La deuxième, c'est la valorisation de l'augmentation de l'activité, en fait. Donc, c'est les 139 séjours liés aux 4 lits supplémentaires. Ensuite, on a quand même pris le parti de valoriser une perte de recettes liée au changement de mode de prise en charge, donc avec la bascule en ambulatoire et éventuellement et le développement de la RAC. Ensuite, on vous a positionné le nombre de séjours pour lequel il y avait des DMI. Donc, des DMI en sus, pardon. Cette recette, on va la retrouver aussi en dépenses, hein, vous le verrez ultérieurement. Donc, voilà pour la partie recette, la méthodologie qu'on a abordée. Ensuite, pour la partie dépenses, donc le nerf de la guerre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est les dépenses de personnel. Donc, là, le point de départ, c'est vraiment l'étude des organisations et l'identification du besoin en personnel pour la prise en charge des patients de l'UPOG. Donc de ça, on a le fameux recrutement donc, du gériatre, hein, qui est le fil conducteur quelque part de ce projet aussi, qui a été chiffré au coût réel. Ensuite, on a évalué du personnel pour le bloc opératoire qui a été calculé en fonction de la durée moyenne d'intervention et du nombre d'interventions, tout en vérifiant, bien sûr, que les vacations étaient disponibles. Ça, c'est important aussi. Donc, du coup, dans le tableau, vous voyez, il y a du temps anesthésiste, IAD et IBOD à cet effet. Ensuite, on a étudié les organisations IDE et AS. Et pour ça, on a traduit dans une maquette organisationnelle ces organisations. Alors, l'organisation initiale du service, vous le voyez, c'est une IDE, une AS le matin en 7h30, une IDE, une AS l'après-midi en 7h30 et une IDE, une AS la nuit en 10h. Ça nous amène à pouvoir calculer les ETP au regard de l'obligation annuelle de travail. Si on revient sur notre projet, par rapport à l'organisation initiale, il est remonté un besoin d'une AS supplémentaire le matin. Cette AS supplémentaire le matin se traduit par une augmentation des ETP d'1,7 ETP qu'on a arrondi à 2 pour les besoins de l'étude. À ça, on a rajouté un petit peu de temps assistante sociale et un petit peu de temps diète. Et puis, du coup, on a chiffré les dépenses de personnel. Voilà un petit peu la démarche. Mais le point de départ, c'est vraiment l'étude des organisations à ce niveau-là. Oui, on le voit ici, vous avez une vision un peu plus large des ETP, à la fois les ETP du service d'hospitalisation et puis des services, notamment des plateaux médico-techniques et services support qui sont impactés. Oui, tout à fait. On va en reparler quand on va évoquer un petit peu les charges indirectes. On a fait le parti, notamment pour le bloc, d'intégrer les éléments connus ici en charge directe. Exactement. Alors justement, si on passe à la suite des charges directes et aux charges indirectes. Alors, donc pour les charges à caractère médical, ici, vous retrouvez la ligne DMI, hein, c'est qu'on avait valorisé en recette pour le même montant. Au niveau du titre 2 hors DMI, donc, la valorisation s'est faite sur l'activité supplémentaire et à partir des données de l'ENC. Ensuite, on a rajouté de l'amortissement lié aux travaux qui allait être entrepris sur la base de 10 chambres de 30 mètres carrés à 2000 euros le mètre carré et sur un amortissement de 10 ans. Et là, ensuite, donc, du coup, on intègre les charges indirectes variables en se focalisant essentiellement sur le titre 2 et 3. On a utilisé Scan Santé et les données du retraitement comptable. Alors, pour le bloc, le labo et l'imagerie, on a étudié le coût journalier qu'on a ramené au séjour. Alors, vous voyez, pour le bloc, c'est hors personnel parce qu'on a fait le parti de les intégrer dans les charges directes. Donc, un petit peu de blanchisserie et puis de journée alimentaire au niveau restauration. Après, ce qu'on a rajouté, mais ça, c'est plus pour sécuriser le projet, quelque part, c'est un taux de charge de LGG et de structure. Alors là, pour le coup, en faisant ça, on sort un petit peu de la méthodologie du coût marginal, mais l'objectif, c'est vraiment de sécuriser le projet, de se prémunir éventuellement de coûts cachés.
Donc voilà ce qu'on, en termes de valorisation. Tout à fait, c'est très clair. Et du coup, ce qu'on peut préciser, c'est qu'ici, comme on est dans un cas fictif, on est parti de données externes à l'établissement. On s'est appuyé sur l'UNC et le RTC, qui sont très précieux pour le coup. Mais que bien évidemment, si on a accès aux chiffres d'un établissement, à ses affectations par UF, on aura intérêt à se rapprocher du terrain sur la base de ces chiffres et les exploiter dans un premier temps avant de s'orienter vers l'extérieur. Oui, tout à fait. Oui, oui. Dans l'idéal, l'idée, c'est que sur certaines volets, notamment par exemple sur les charges médicales, c'est vraiment aller étudier les prescriptions, voir la valorisation moyenne au séjour. Voilà, c'est vraiment travailler sur du réel. Alors, on a étudié les recettes et les dépenses. À présent, si on s'intéresse au bilan d'ensemble du projet. Voilà. Alors, de tous ces éléments-là, il ressort un résultat positif. Donc, ça veut dire que ce projet aura une contribution positive dans l'élaboration de l'EPRD, dans le résultat d'exploitation. Pour autant, il faut quand même nuancer un petit peu ce résultat de par la part importante quand même de l'optimisation du codage qu'il nous faudra vérifier dans un deuxième temps. Alors justement, David, si vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce projet, qu'est-ce qui pourrait être bien, qu'est-ce qu'il manque un petit peu dans ce projet tel qu'il est présenté actuellement? Alors, ce qu'il aurait été intéressant de savoir, c'est la situation de départ, hein, s'il était déficitaire ou excédentaire. Pour autant, cela ne change strictement rien puisque l'effet du projet, il reste positif quand même sur le résultat d'exploitation. Mais c'est quand même intéressant d'avoir la situation initiale. Une des remarques que vous nous avez fait également, c'est qu'on a raisonné sur le service du POG, mais qu'on a pu raisonner un petit peu plus large par filière, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu plus complexe, mais l'idée, c'est de raisonner sur une notion de parcours ou de filière. Et là, en fait, la filière gériatrique, au niveau de l'établissement, on a l'UGA, on a l'EMOC, on a l'USSR. Enfin, je veux dire, il y avait peut-être une approche globale à mener et éventuellement, pour le coup, ce recrutement de gériatres, réfléchir à une mutualisation possible avec les autres services. Éventuellement. Après, se poser aussi la question sur le nombre de lits de SSR. Enfin, vous voyez, c'est plein. Enfin, c'est un peu plus complexe, mais je pense que l'approche dans sa globalité aurait été intéressante. Ne pas se limiter qu'au simple service quand on a toute une filière à analyser. En fait. Très bien, on retient donc qu'il ne s'agit pas de focaliser uniquement sur le projet, mais vraiment de voir ses impacts bien plus loin sur les services de soins, mais également sur les services support. Ouais. Elisabeth, à la lumière de ces éléments, est-ce qu'on a des questions de la part des participants sur le chat? Alors, je pense que l'étude est assez complète et on n'a pas beaucoup de réactions sur le chat. Moi, je me demandais, quand on voit tous ces tableaux qui sont très complets et très précis, en termes de dialogue de gestion interne établissement avec tous les différents types de professionnels, est-ce que vous présenteriez le projet tout le temps de la même manière et de façon aussi détaillé dans toutes les instances et auprès de tout type de professionnels? Alors, pas forcément. Je pense qu'il faut adapter la présentation à son public. Après, pour autant, c'est aussi ludique d'avoir cette déclinaison de... Enfin, je veux dire, on a décliné tout le projet selon les différents processus qu'on a analysés. Et c'est assez intéressant, en fait. Des fois, souvent, les équipes de terrain sont très demandeuses de ce type d'analyse-là parce qu'elles comprennent mieux. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la globalité au niveau de la filière, mais là aussi, c'est pareil. Les gens du terrain ont une vision globale du projet et pas que ceux qui les concernent. En fait. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de rentrer dans ce type d'analyse. Bien sûr qu'après, il faut adapter le langage au public. Très bien. Merci. Bah, effectivement, je vois que c'est très important d'arriver à chiffrer en coûts et en recettes marginales. C'est important pour intégrer dans le PRD et le PGFP, surtout si on prévoit une montée en charge progressive et qu'on puisse être à cheval sur 2 années. C'est également
important de pouvoir traiter aussi globalement et de consolider avec les autres projets de l'établissement. Un autre aspect qui me semble également très important, c'est effectivement d'avoir une contribution positive, marginale, ce qui permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. On part avec un projet qui va permettre d'améliorer la rentabilité de l'investissement. Et puis, en cas de déconvenu, dès lors que l'on a une contribution positive au résultat, on pourra bien mieux absorber toute déconvenue ou toute chose non prévue. Voilà, ce que je souhaitais aussi également rappeler, c'est que toutes ces présentations ont été faites en lien avec les 6 fiches qu'a produites l'ANAP au mois de juin. Je crois qu'on vous a remis le lien dans le fil de discussion. Les 6 fiches concernent la variation d'activité en hospitalisation MCO, la révision des besoins en personnel, l'innovation sur un plateau médico-technique, l'acquisition d'un matériel lourd en imagerie, l'impact des budgets USLD et EHPAD sur le budget d'un établissement public de santé et l'impact d'une amélioration de la gestion des recettes sur le BFR et la trésorerie. Je rappelle que ces 6 fiches ont été produites en juin après la publication du guide méthodologique sur le PGFP et la prospective financière qui lui était paru au mois de mai. Il nous semble très important de recueillir vos avis, à vous tous qui êtes connectés. Donc, communiquez-nous vos souhaits de fiches complémentaires sur le même format. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes de financement en cours. Communiquez-nous également vos attentes en termes de sujets à traiter ou à expliciter avec des illustrations et des exemples sur le même modèle pour des webconférences. Le chat va rester ouvert là encore quelques temps, justement à cet effet, pour vous permettre de vous exprimer sur vos besoins et vos souhaits afin d'orienter les travaux de l'ANAP en finance et en contrôle de gestion pour mieux répondre à vos besoins. Et je remercie donc tous les intervenants et tout le monde pour leur participation. Merci à tous. Nous clôturons donc cette deuxième séance de finances contrôle de gestion de l'ANAP. Et comme le disait Elisabeth, laissez-nous vos bonnes idées, vos questionnements sur le chat. Nous les récupérons pour élaborer le programme de travail 2022-2023 de l'agence. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Thank you.